Depuis qu'Emma est partie au marché. Oui, partagez le direct, il y a le Japap. Vous savez que quand on entend pour moi, on ne laisse pas. Donc si j'entends aussi pour la bande des ténébreux diablesses là, eh bien je parle. On voit alors les qui sont les vrais maudits. On voit les vrais maudits maintenant. Le président, le vendeur de bouteilles, Fabou le doc, m'avait dit ici que je suis maudite. J'ai prouvé le contraire, que c'est chez eux là-bas qu'il y a la malédiction. Venez, je vous raconte l'histoire. Vous avez vu à ce moment, Gombongo Indi dit qu'elle a perdu qui? Son tonton. Allez, tapez la main. Chaîne. Quel tonton? Pardon, partagez le live, je lui donne ça un peu. Quel tonton? Elle est parentée au monsieur là où? Elle le connaît où? Pardon, partagez, je vais vous dire ça. Dès qu'on atteint un nombre là, je vous dis. Je vous raconte bien l'histoire avec le goût. Maman, je suis couchée. J'entends seulement que Ngombongo Indi dit que elle a deuil. Jusqu'à elle met le Nkorakos Nala et le Miondo. Quel tonton va aussi manger? Quel tonton? Quel tonton? Elle n'est même pas parentée à ce monsieur-là. Ngombongo Indi, ya! C'est toi qui es vraiment en dépression, maman. Toi et ta copine, vous êtes en train de discuter le cadavre du père, le père des gens. Pardon, connectez-vous. Connectez-vous. Le père des gens. Le père des gens, oh, Ngombongo Indi n'est pas parenté à ce type-là. Oh, c'était son show. Voilà encore un de ces shows qui part encore. Venez, oh. Venez, oh. Ngombongo Indi. Tu es vraiment maudite alors. Quand on parle de malédiction, ça tourne autour de toi. Ça tourne autour de toi. Appelez Ngombongo Indi ici. Vous lui dites que je suis venu dévoiler la vérité. Comme elle avait toujours menti pour le père de son enfant. Je viens vous dire. Regardez bien le père là. Qui est parti faire à son âme. Il n'a rien fait. Et on veut saboter son âme. Le père là, ses enfants. Et partagez le live, qu'on atteint 300 ou 200, je parle. Moi, il a envie de parler. Vous savez que moi, quand je vais déjà commencer à parler, je parle. Maman, il y a les bagarres, oh, on discute déjà le corps du père là. Ngombongo Indi est venu, c'était la veillée. Elle a organisé avec sa bande de soros. Pour dire que le tonton, quel tonton Ngombongo Indi, c'était ton show. Tchang, il y avait lui un tour. Et l'angare qui est maintenant là, c'est ta copine. Il faut dire ça aux gens. Hey! Maman, vous avez vu ça où? Hein? Quand on dit que les gens marchent avec la poisse au corps, Ngombongo Indi, tu es plus que. Ça dit, toi, ta malédiction n'a plus de. Tu n'as plus de nom. La malédiction de Ngombongo Indi n'a plus de nom. La bande là, quand vous voyez ces gens là, quand vous les regardez là, la bande qui sont regroupés là, qui disent qu'ils vont affronter Maléba. Maléba, les cornes de Maléba sont trop fortes. Je suis là, assise. La reine m'a dit, disons quoi. Son dos est rond, mon dos est comme ça là. Même si vous êtes 30, je choisis celui que je prends. Je mange, comme là maintenant, Ngombongo Indi, je viens verser tes fesses dehors. Tu es la plus grosse menteuse de la toile. Mais Jean, je vais vous raconter. Vous avez vu, j'ai vu là qu'elle a fait, elle a invité la bande, l'association des Tukun Tui, la nouvelle association des bandeuses et des piments de la toile. Elle a organisé là-bas chez elle. Elle dit qu'elle a perdu son tonton. Le Jola, allez regarder. Vous venez me dire à qui le tonton là ressemble. Allez regarder, parce qu'elle est quelqu'un qui entre dans une maison, elle continue seulement, c'est-à-dire un gagne avec tout le monde. Allez regarder, vous venez me dire en commentaire à qui ce monsieur ressemble. Allez regarder, vous venez me dire à qui est-ce qu'il ressemble. Vous allez tout comprendre. Elle n'est même pas parentée à ce monsieur-là.
Ce monsieur a des enfants. Ce monsieur a des enfants. Mes frères et sœurs, comme je vous dis là. Ce monsieur est allé faire un toqué porte avec une des Senga. Mais avant ça, la personne avec qui Ngamnya d'abord, c'est Ngombongo Indi. Ngamnya avec Ngombongo Indi. Il n'a pas fait le toqué, comme on ne les assume jamais, il n'a pas fait le toqué porte à une fille avec qui elle marche. Qui est avec elle. Il fait le toqué porte, toute la famille est là. Mais quand il partait faire l'acte, il n'y a aucun membre de la famille. Comment vous expliquez ça? Aucun membre de la famille n'est là quand on fait l'acte. Donc cet acte-là doit être certifié. Les enfants du monsieur-là doivent aller regarder ça. Parce que cet acte-là a été fabriqué parce qu'ils voient l'héritage qu'il y a là-bas. Quand on vous dit que les sorons sur la toile, il y en a beaucoup. Le monsieur là que vous voyez là, regardez bien. Oh, pourquoi vous voulez que moi il parle? Moi, vous allez me faire parler. Hein? Moi, je veux parler parce que moi, je n'aime pas souvent mêler les gens dans les choses. Je peux m'attendre pas mon homme. Je vais dehors. Au menu, c'est le poisson. Voilà, c'est la racine. Donc, le père là, le tonton là, qui est décédé. Sa copine avec il est, avec ils ont fait le toqué porte. Toute la famille était là. Mais maintenant, non, on a mis l'esprit du maillot. Non, tu as accompagné Ken, c'est pour ça. Vous avez perdu le temps. Maintenant, moi, j'ai faim. Regarde ce qu'il mange. Merci. C'est à cause de vous qu'on m'a mal coiffé. Donc, ce monsieur, je me rappelle à l'époque, quand il draguait Ngombongo Indi, ce monsieur-là, c'est l'oncle d'un influenceur sur la toile. Mon premier ministre Antoine Bachot, c'est son oncle. Regardez bien comment est-ce que ce monsieur ressemble à lui. Antoine Bachot ressemble à son oncle. C'est l'oncle d'Antoine Bachot. Lui-même, Antoine Bachot, ne vient pas parler du deuil de son... Ne vient pas parler, mettre la photo de son oncle sur les réseaux sociaux. Ngombongo Indi et sa bande et ses gens se sont déjà accaparés du deuil. Ils sont venus dire que c'est son deuil, c'est son tonton. Vous êtes parenté, Ngombongo Indi. Tu as fini avec l'oncle, tu as fini avec les deux neveux. Junior, c'est leur oncle. Tu ne peux que dire tonton, vous êtes parenté, maman. Ngombongo, il dit, quand tu prends le maigre morceau de poisson, tu mets le miondo, tu dis que lui aussi va manger. Lui, vous t'avez fait quoi? Tu vas pas arrêter d'avaler les gens comme ça? Quand on dit alors les gens qui ont la poisse en eux, tu es une poisseuse, maman. Ta copine avec qui il a fait le toqué porte. Toute la famille était là. Comment se fait-il qu'il pas te faire le mariage? L'acte, il n'y a aucun membre de la famille. Les enfants de ce monsieur se posent les questions. J'ai appelé mon premier ministre, il ne prenait pas le téléphone. Parce que les copines, une copine même de la femme là, m'a appelé pour me parler de cette histoire. Une copine de cette femme là m'a appelé pour me parler de cette histoire que, c'est là qu'elle me dit que regarde bien la personne là. C'est l'oncle de ton premier ministre. Je dis que quoi?
J'ai appelé mon premier ministre deux fois, il n'a pas pris le téléphone. Je ne sais pas, peut-être c'est les heures, le travail, je ne sais pas quelle heure il est là-bas en France. J'ai dit que non. Ngombongo Indi. Ngombongo Indi n'est pas parenté avec ce monsieur-là qu'elle appelle tonton là. Ce monsieur-là, Ngomnyave, elle est sortie avec ce monsieur. Comme elle a voulu faire à notre grande sœur Julie, qu'elle parle Ngomnyave, le mari de ses grandes sœurs. C'est comme ça qu'elle a fait. Patine Ngomnyave. Julie qui l'hébergeait dans son restaurant parce qu'elle était sous le pont. Cette grande sœur lui a donné un espace dans son restaurant, la cave, pour dormir. Ngombongo Indi. Elle est partie Ngomnyave avec son mari. Maintenant, voilà sa copine. Elle avait d'abord Ngomnyave avec l'oncle de mon premier ministre. Après, elle est partie Ngomnyave avec le neveu. Après, elle a fini avec le premier ministre. Le premier ministre a dit que moi, il ne peut pas courir ici. Je ne suis plus là. Aujourd'hui, elle fait déjà jusqu'à les gens viennent pour organiser leur association des malfaiteuses. Tonton, tonton. Tu n'as plus de coq. Tonton sur quoi? C'est ton oncle ou tu le connaissais où? Donc ton show devient ton tonton. Les gens croient que c'est une parenté avec Papa Ali. Papa Ali, c'était un Biafra, c'est un Nigérian. Papa Ali n'est pas Camerounais. Une femme que le premier gars qui dit que moi aussi je vais l'amener à la mairie, un Bamoun, en partant pour voir, pour faire le toqué porte, il meurt sur la moto. Boum. Première victime. Le deuxième, elle fait l'enfant avec. Bam, il vient au Cameroun, on l'empoisonne. Le troisième, il devient fou, il vient chier sous son tapis. Ça, c'est la malédiction déjà. Là, déjà, c'est la malédiction. Quand un grand-père vient déjà s'asseoir sur ton tapis, il monte. Il te maudit d'abord bien. Maintenant, voici aussi l'autre qu'elle a engagé avec. Et la copine de ce monsieur, parce que je ne peux pas dire qu'ils étaient mariés. L'acte là n'est pas certifié. L'acte mariage là n'est pas certifié. Elle est en train de discuter avec le corps du gars parce qu'elle sait que le type a laissé beaucoup de choses. Les enfants du type aussi, les enfants là ne vous laissez pas faire. C'est votre père. Allez chercher à savoir l'acte là. Comment se fait-il que quand il fallait faire le toqué porte, tout le monde était, toute la famille était là. Mais au moment de faire l'acte, même si c'est que vous voulez faire un truc en privé, il faut au moins un témoin qui est de la famille, non? Hey, vous avez. Déjà, le jour du toqué porte, d'abord, le père là s'est évanoui d'abord. Le jour du toqué porte, d'abord, le père là s'est évanoui. Il y a des signes. Il y avait déjà des signes. Maintenant, alors, quand je vous dis que Ngombongo Indi, quand elle touche quelque chose, quand la fille a sa même, t'as dit, le père là où il est là, son âme ne va pas reposer en paix. Ngombongo Indi, tu as encore fait quoi? Tu prends bien les photos du père autrui, tu viens mettre sur les réseaux sociaux. Le père autrui, ça tu dis que tonton. Quel tonton? Tu niaises avec un jour, tu viens l'appeler tonton, maman. C'est tonton de quoi, non? Tonton chéri. Hey! Zamba Berabasco. Ngombongo Indi, tu m'as gagné. Et soin. Jusqu'à ce qu'elle prend la photo du père autrui, comme si elle le connaissait, comme si elle était parentée à lui. L'organisation qu'ils sont en train d'organiser là, elle et sa copine. L'organisation qu'elles sont en train de faire déjà. Elles ont déjà pris la photo du père là. Oui, c'est elle et sa co-épouse, un vrai père. Elle a déjà pris la photo, mettre là comme ça, la ding-ding. Prendre le. Comment on appelle ça? Prendre la nourriture, venir poser. Une moquerie. Et en plus, ça c'est une moquerie. Elle se moque des enfants de ce monsieur. Ngombongo Indi, tu as le cœur. Il vous. On dit quoi en bas ça? Vous. Ta part là n'est plus. Franchement.
C'est l'oncle d'Antoine Bachot, le papa là que vous avez vu là. Regardez bien le père là. C'est l'oncle d'Antoine Bachot. Le premier ministre Antoine Bachot, c'est son oncle. Comme je vous dis là. Elle déteste ce monsieur, elle vilipende ce monsieur, elle vient aujourd'hui prendre l'oncle de quelqu'un, faire pour elle avec. Ya! Si Antoine Bachot m'écoute, qu'il passe un poste où il parle de ça. Les gens ne vont pas venir entrer dans ta famille comme ça là. Regardez bien ce monsieur là, c'est l'oncle du premier ministre. Elle a une bine avec les deux fils et le père. Elle, elle est comme ça là. Quand elle sortait, elle m'avait un musicien, là, on m'a dit pour prononcer son nom, il est parti. Il chantait la chanson de Marco Sassoubassai, Sai. Marco Sassoubassai, Soubassai. Elle prenait seulement de génération en génération, c'est comme ça qu'elle était. Elle finissait avec toute l'association des musiciens là. Personne n'a dit qu'on amène à la mairie, même pour faire le toquer fenêtre. Personne. Ya Ngombongo indique dans la famille des gens. Tu as fait signe à qui? À quel dit à moi? Personne. Moi, je n'ai pas vu. Moi non plus. Tu es à quel niveau alors? Ya Ngombongo indique. Laisse la famille de mon premier ministre en paix. Quitte derrière mon premier ministre. Quitte. Quitte. Quel niveau? Qui l'a regardé? Sa cousine. Ya! C'est bon, merci. Ok. Tu vas prendre le poisson. Tu vas prendre le poisson. Tu veux le sourire. N'oublie pas le 5 heures. C'est ton tour. Bon, 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 il me dit maman. Yeah! Oh, mon tonton sauveur. Mon tonton sauveur. Non, tu es mon tonton sauveur. J'ai trop faim, tonton. Eh, mon oncle, merci. Eh, mon tonton sauveur. Ya. Mon tonton sauveur. Mon tonton sauveur. Vous allez bien, maman? J'ai trop faim. Il y a deux là. L'indirect. Mon Dieu. C'est. Trop bon. Donc, comme je vous explique là, ouvre-moi un peu ça, Babi. Je ne sais pas si j'ai touché mon saucisse. Ouvre-moi un peu ça. Comme je vous explique donc. Le monsieur qui est décédé, peut-être j'ai parlé vite, vous n'avez pas bien compris, je parle terre à terre. Ce monsieur n'est pas parenté à Ngombongo Indi. Le monsieur là, c'est l'oncle d'Antoine Bachot, qui sort avec la copine de Ngombongo Indi. Mais il y a longtemps, Ngombongo Indi a la bonne gamine avec lui. Elle ne savait pas qu'un jour elle allait croiser mon premier ministre. Parce que c'est moi qui le mets en contact avec mon premier ministre. Entre temps, un gamin avec l'oncle du premier ministre, il a son neveu qui était aussi là-bas avec nous à Paris. Il a m'habité avec elle, son neveu là. Un gamin aussi avec. Vous comprenez? Un gamin aussi avec, mais ça ne part pas loin. Parce que elle, personne ne peut l'assumer. D'accord. Donc. Non. Entre temps maintenant,
Je présente. Non, bébé, tu me refuses. Mm-hmm. Moi, ta fille. Mm-hmm. Tu me refuses. T'es petit. Que? T'es trop petit. Vraiment. Entre-temps, donc maintenant. Merci. Entre-temps. Oui. Tiens. Entre-temps, Ngombongo Yindji, je présente Ngombongo Yindji, mon premier ministre. D'accord. Le monsieur pas fait le toqué porte à la copine maintenant de Ngombongo Yindji. C'est aussi une bassa. Elle marche avec Ngombongo Yindji. Le jour qu'il pas fait le toqué porte, il a un accident même là-bas. Là. Où ça ne se passe pas très bien. Mais ils finissent par faire la fête. Toute la famille est là. Le problème qu'il y a maintenant, c'est que on a sorti un acte de mariage. Quand ils sont allés faire l'acte maintenant, il n'y avait aucun membre de la famille. La situation est à quel niveau? La situation est que la femme est en train de réclamer qu'on doit lui donner le corps. Elle dit que c'est son mari. Les enfants aussi disent que nia. Quand j'ai donc vu la cousine de mon premier ministre. J'ai dit que... Et qu'est-ce que le premier ministre dit? Apparemment, il ne veut pas se prononcer. C'est là que la personne me dit que regarde bien le monsieur. Effectivement, c'est la photocopie même de mon premier ministre. Il ressemble au premier ministre. Donc c'est peut-être pour ça que quand je lui avais présenté le premier ministre, elle a accepté.